Bah écoutez, la situation actuelle de la Guinée est une situation qui interpelle tous les défenseurs en fait, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. C'est une situation assez singulière aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Son Excellence Lansana Kouyaté va débattre au cours de cette conférence sa vision, sa méthode effectivement pour amener une alternance effectivement apaisée en Guinée. L'accueil traditionnel réservé à son Excellence Lansana Kouyaté donne la pleine mesure de l'image positive dont jouit l'ancien Premier ministre de la Guinée. Un griot peu avare de compliments fait l'éloge de celui qui s'érige en véritable rempart avec son parti, le PND, contre les volontés avérées de l'actuel président de la République de Guinée d'agencer la constitution du pays vers son potentiel troisième mandat. J'ai choisi le PDN, le parti de l'espoir et du développement national, d'abord par son projet de société, mais aussi la capacité et la crédibilité qu'a le leader du parti, son Excellence Lansana Kouyaté, pour la mise en application de ce projet. En un mot, la faisabilité du projet. Nous ne voulons pas de guerre en Guinée. Nous voulons la paix en Guinée. Il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas de paix si on cultive la haine entre les ethnies. Il n'y a pas de paix si le Guinéen n'arrive pas à tirer de la Guinée les moyens de subsistance. Le développement, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Il est super important qu'en Guinée, nous soyons unis et nous croyons totalement en ce que propose le président Lansana Kouyaté pour un avenir meilleur pour la Guinée. Démocratie et développement en Guinée, les défis d'une alternance réussie. Voici donc le grand thème de cette conférence proposée samedi 15 juin dans la ville de Bagnolet, toute proche de Paris, à une assemblée très fournie et désireuse de réellement percevoir les enjeux du moment. Ça nous fait rappeler exactement ce qui s'est passé en 2001 où Alpha Condé lui-même s'est battu pour barrer la route à une dictature du président Lansana Conté. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser que ce même président est à la tête d'une coalition qui veut répéter la même chose. Donc d'une répétition à une répétition, nous partons à la dérive. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de cette violation flagrante de la Constitution que l'on veut mettre en place chez nous au pays. Et si nous ne nous levons pas comme un seul homme pour dénoncer ce putsch constitutionnel. Le but, c'est d'aller vers un troisième mandat ou bien une présidence à vie, que nous rejetons à bloc. Le PDN est clair là-dessus. Il est décidé à se battre pour barrer la route à ce tripatriage de la Constitution. Pourquoi être caméléon? C'est un caméléon. Mais nous lui demandons de quitter, d'arrêter parce que le Guinéen a faim. Le Guinéen est malade. Le Guinéen n'a plus de moralité, le Guinéen n'a plus de dignité. Pour tout simplement à cause du pouvoir. Nous faisons aussi la mobilisation ici en France. Nous ne pouvons pas laisser M. Alpha Condé gouverner comme il veut ce pays. Parce que ce pays appartient à tous les Guinéens. Lansana Kouyaté, en grand diplomate, prie le président de faire marche arrière. Le professeur Alpha Condé souhaite-t-il encore écouter ce que de grands serviteurs de l'État guinéen lui suggèrent? Nous le saurons assez rapidement, car le fameux troisième mandat tant évoqué ne pourra que continuer à générer de l'inquiétude et certainement de l'instabilité. Je prie le président, je profite de cette tribune pour le prier de faire marche arrière. C'est pas marche avant, c'est pas marche cringrin. C'est marche arrière. Il n'a qu'à dégoupiller ce qui est en train d'être monté. Pour que les Guinéens aient le libre choix, conformément à la Constitution. Et puis, pourquoi attendre quelques mois
avant la fin de son mandat pour poser ce problème. Pourquoi? Ça rend déjà suspicieux. S'il doit y avoir amendement, tant, les débats se feront après 2020. Quiconque est élu aura la charge de conduire, n'est-ce pas, cela. Une constitution se modifie, mais pas n'importe comment. Certes, la majorité forte des personnes réunies autour de la Sana Kouyaté est constituée de ses adhérents et supporters, mais aussi de Guinéens inquiets de la situation de leur pays et désireux d'écouter un sage, un homme à l'étoffe d'un président, gardien des valeurs profondes d'une démocratie et rassembleur de par un positionnement volontairement unitaire pour son pays. Hey,